YouTube, j'espère vraiment que vous avez la forme. Attendez, je refais juste l'intro parce que là c'était un peu chelou. Hey YouTube, j'espère vraiment que vous avez la forme. Moi personnellement, je pète la forme. Si je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, ce sera pour vous présenter morts les plus what the fuck qui ont été recensés dans le monde. Je tiens juste à dire que je ne moque en aucun cas des personnes qui sont mortes. Je leur dois le plus grand respect, donc je leur passe quand même un hommage parce que ils sont quand même mortes. Donc tu vois, c'est pas drôle. Mais tellement leur mort est juste débile, on peut en rigoler. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire une pub à mon ami Binta. Je lui avais promis de lui faire une pub Instagram, donc je mettrai son Insta dans la description. Si elle atteint les 100 abonnés grâce à moi, eh bien je ferai un jour un face commentary seulement si elle atteint les 100 abonnés. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un face commentary, c'est en fait je fais le commentary, je fais la vidéo avec ma tête. Et ça peut vraiment être cool. Et ça pourrait peut-être faire augmenter la chaîne en abonnés. Allez, sur ce c'est parti. Saviez-vous qu'on peut mourir avec du caca? C'est ce qui est arrivé à Werner. Donc Werner c'était un gardien de... Et il avait donné de nombreux laxatifs à un éléphant. Mais au moment où la bête, elle a voulu se libérer de ses matières, et ben, le gardien se trouvait juste en dessous de l'anus de la bête. Il est mort asphyxié. Ouais, c'est un peu con, quoi. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand le caca lui est tombé dessus, ça représentait plus de 120 kilos. Alors imaginez-vous qu'il y ait une chose qui pue, qui vous tombe dessus, et qui pèse 120 kilos. Ça doit vraiment être une mort atroce. Hickory Daily Record Ken Charles Barger. Ouais, j'avoue, c'est un peu long. Alors quand il est mort, il avait 47 ans, il est mort à cause de son téléphone. Enfin, de son téléphone, entre parenthèses. Je vais vous expliquer l'histoire. Alors en fait, il dormait, tout simplement, il dormait, donc j'ai pas d'autres choses à rajouter. Et son téléphone, il a sonné et ça l'a réveillé. Du coup, en pensant qu'il attrapait son téléphone, il a empoigné son gun. Donc son gun, c'était un Smith Wesson 38 spécial et il s'est tiré une balle dans l'oreille. Momot Folly, c'était un jeune barman de 28 ans, a été abattu par un gangster pour avoir accidentellement débarrassé trop vite son verre. Il était tellement irrité qu'il a obligé le barman à avaler 27 litres de coca. 27 litres de coca, ça doit être quand même faire du mal à l'estomac. Putain, ça rime. Un homme en Alaska a décidé de lancer un bâton de dynamite sur un lac gelé. Bah, c'est un concept comme les autres. Le problème, c'est qu'il était accompagné de son chien de chasse qui est vraiment très très bien dressé. Et devinez la suite, le chien de chasse a ramené la dynamite. Ah, il a dû quand même avoir le seum sur le coup. En Ohio, quand un homme essayait de nettoyer l'étoile d'araignée, donc cet homme s'appelait Martin Eskens, il refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler l'étoile. Et il a causé un incendie. Si jamais je vous dis que Robert Puello est mort à cause d'une grosse saucisse, vous me croyez? Alors je vais vous raconter l'histoire, même si elle est vraiment très courte. Alors en fait, il avait 32 ans, il avait volé un hot dog sur le marché de Saint-Louis. Le SAMU, il n'a pu le réanimer qu'après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il a étouffée. Et il est mort quand même. À cause d'une saucisse. D'une grosse saucisse! Sans vous mentir, cette mort, elle m'a quand même un peu fait rire. Gary Hoy, était un notaire de 39 ans, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité de ses vitres à des étudiants. Son coup d'épaule brise la vitre et il passe à travers et devinez la suite. Bah, il s'écrase comme une merde. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez pourquoi pas lâcher... attends, je le refais. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez pourquoi pas lâcher un gros pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment très plaisir et ça prend pas beaucoup de temps. Allez, sur ce, c'était Hardwing et ciao tout le monde.